collectivement, on va être plus restrictif, il faut qu'il y ait une discipline. Ouais. Voilà. La discipline et la rigueur face au coronavirus, voilà les maîtres mots qu'est venu marteler Emmanuel Macron dans cet EHPAD parisien. Le chef de l'État veut en priorité protéger les plus fragiles. La priorité de la nation est de protéger nos aînés. Il faut absolument d'abord limiter les visites au maximum. Et je vais demander à tous nos concitoyens d'avoir cet esprit de responsabilité, de faire ce sacrifice. Je sais que c'est parfois un crève-cœur. Dans le cas où les visites seraient maintenues, il faut éviter la présence d'enfants, davantage vecteurs de virus, ou encore respecter des mesures dites barrières. Quiconque rentre en EHPAD doit prendre cette précaution de se laver les mains au savon ou au gel hydro, de ne pas serrer les mains, de ne pas toucher et d'être très vigilant. Mais face aux pénuries de masques et gel hydroalcoolique, cet employé se dit inquiète. Quand on va passer en phase 3 et qu'on nous dit oui, si vous êtes malade, portez un masque, mais comment on fait si on est en rupture de stock? On va chercher le masque. Une question restée en suspens. Si malgré ces précautions, un résident est infecté, il sera isolé des autres et protégé avec un masque. Les personnels d'EHPAD suspectés d'être porteurs du coronavirus sont invités à rester chez eux.